Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir à tous les compatriotes togolais. Je suis Olivier Amand. Je voudrais, à travers ce vocal, m'interroger sur ce que nous, peuple togolais, nous traversons depuis des décennies. Pourquoi, lorsque nous critiquons le régime du Togo, on nous arrête? Pourquoi, lorsque nous donnons notre point de vue sur la manière dont nous sommes gouvernés, on nous arrête? Pourquoi, lorsque nous sommes à l'essayer et à travers les réseaux sociaux, nous disons tout haut ce que notre pays vit, on nous arrête? Lorsque nous sommes de passage dans notre pays, on nous arrête. Oui, on nous arrête tout le temps, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où sur le territoire, on nous arrête. On nous fout en tôle. On fait 1 an, 2 ans. On nous arrête parce que nous parlons. Juste parler. Et nous sommes arrêtés, envoyés en prison. Chers frères togolais, si tout ceci se passe, c'est parce que, à un certain moment, on ne parle pas d'une même voix. C'est parce que le régime estime que nous, Togolais, là, nous ne sommes pas rassemblés. Nous sommes en divagation. Nous ne parlons pas d'une même voix. Nous sommes déboussolés. Bref, cela dépend de nous. C'est pour cela qu'on nous arrête. Je voudrais revenir sur l'arrestation de notre frère Jean-Paul Omolou. Selon nos informations, il était juste de passage à Lomé. Et il a été arrêté. Peu importe ce que l'on dira, d'où il vient, pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Nous devons plutôt nous mobiliser pour le sortir de là. Peu importe sa position, l'essentiel, c'est qu'il est un acteur. S'il avait des moyens, il aurait déjà dégagé ce régime. C'est pour cela, nous devons nous mobiliser pour peser lourd dans la balance. Car je sais
de quoi les Togolais sont capables lorsqu'ils veulent se mettre au travail. N'oublions pas qu'à travers cette arrestation, nous devons surpasser nos différences et parler d'une même voix. C'est la seule arme pacifique qui pourra faire bouger les lignes sur le terrain. Que nous tous, nous comprenons qu'il est temps d'arrêter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour nous concentrer sur l'adversaire et mettre fin à son règne. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.